Hey yo les dresseurs, c'est Dracomix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon sur laquelle on va s'ouvrir en trois parties les magnifiques Team Box de Galar qui viennent de sortir sur les starters de Galar, donc Whistempo, Flambino et Larmeléon. On va s'ouvrir en tout deux Pokébox de chaque. Vous voyez, donc je vous montre déjà dans la première partie, on va s'ouvrir les deux Whistempo. En seconde partie, on s'ouvrira les deux Flambino Pyrobut, parce que les cartes promotionnelles sont les évolutions finales de chaque starter. Et en troisième et dernière partie, nous nous ouvrirons les deux Pokébox de Larmeléon. Alors, let's go, c'est parti. On va découvrir, vous voyez, elles sont parfaitement scellées. On va découvrir le dos d'une Pokébox. Alors, hop, je vais vous faire un petit zoom pour que ce soit plus confortable. Alors, de puissants partenaires des Pokémon V de Galar. Alors, hop, ça va pas trop bien. Tac, allez. Bon, voilà. Ça veut pas. Alors, du coup, bah, je vais vous le dire. J'espère que vous y arriverez aussi. Au pire, vous mettez pause et puis voilà. Alors, les bases de l'équipe d'adresseurs de Pokémon. Les types plantes, feu et eau. Choisissez entre les rythmes tonitruants de Gorythmic V, le feu enfreiné et la rapidité de Pyrobut V, et les mouvements éclaboussants de l'astucieux Lézargus V dans les boîtes partenaires de Galar. De jeux de cartes Pokémon à collectionner, enfin de jeux de cartes à collectionner Pokémon, chacune de ces boîtes contient un super Pokémon chargé à bloc, l'évolution finale d'un Pokémon de départ de la région de Galar. On va y trouver une carte V brillante, soit Gorythmic, Pyrobut ou Lézargus, 4 boosters et un code online bien entendu. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va les déceler. Let's go. C'est parti. Ça fait un moment que j'ai ces Pokébox en ma possession, mais j'attendais le bon moment pour les ouvrir. Allez. Ah. Voilà. Alors peut-être que avec le film en moins, on arrivera à faire un meilleur zoom. Non. Bon, bref. Tant pis. Allez, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bien sûr, nos petites pochettes qui sont ici, hein, qu'on avait eu dans les élites. Alors par contre, ils n'ont pas fait le même principe que le coffret Salarsen encore pour les Pokébox. C'est bien dommage. Chiant parce que ça abîme les cartes. Alors, voilà. Avec le code online, je le laisse dedans. Hop, voilà. Les codes online sur les côtés. Hop, voilà les petits plastiques. Alors, on va mettre ça sous pochette. Et on va découvrir cette carte de Gorythmic V qui a l'air juste magnifique. Alors, voilà, Gorythmic V, que voici, et voilà, c'est la promo SWSH014, ok, donc vous voyez, il y en a deux, hop là, allez, les petites pochettes sont prêtes, on va découvrir ce qu'on a comme booster à l'intérieur. Alors, c'est les premières Pokébox que j'ouvre, donc on a un épée bouclier, deux épées boucliers, un alliance infaillible et un soleil et lune de base, ok. Pourquoi pas? On va mettre les épées boucliers ensemble, les alliances infaillibles ensemble et les soleils lunes de base. Et on va commencer du plus ancien au plus récent. Voilà. Alors, les deux soleils lunes, bah, on a les deux Pokémon légendaires d'Alola qui sont Solgaleo et Lunala en illustration. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi à l'époque, ils avaient fait 5 illustrations différentes. Ils avaient fait les 3 starters finaux aussi sur les boosters. C'était plutôt bien, je trouve. Mais bon. Ils n'ont pas réitéré le concept. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh là là. C'est une belle carte. Dommage, elle est bien abîmée. Enfin, si vous voyez juste là. Enfin, bref. Allez, Spododo. Mimantis. Aragdo. Caninos. Crabagar. Une énergie eau. Froussardine. Ensuite, on a Tili. Et flèche,
Ton chien en reverse et juste derrière un mastouf en rare. Ok. Allez, deuxième booster de soleil et lune de base. Avec cette fois-ci l'illustration de Lunala. Tac. Hop là. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, et c'est parti. Let's go. Avec Croquin, Ponchio, Paras, Rapace de pique, Flamiaou, Énergie combat, Ponchien, Maillet écrasant, Chrysapil, Makuita en reverse et juste derrière un Dentikris en rare. Bon, c'est des boosters de déstockage. Hein. On n'aura jamais rien de ouf dans ces boosters-ci. On a plus l'impatience d'ouvrir nos boosters épais boucliers, bien sûr. Hein. Hop, tac. Voilà, allez. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est reparti. Let's go avec Chétiflore. Topiqueur avec. Vous voyez que c'est Giovanni là derrière, ouais. Un petit Giovanni juste derrière, j'avais pas vu. Titar, Rhinocorne qui se désaltère au bord d'une rivière. Caninos encore. Énergie fée. Radar électromagnétique. Croix porale. Appel aux chimères. Feu forêt en reverse. Et le canon holographique. Magnifique carte. Bon, on aura au moins une petite holo. C'est toujours mieux que rien. Hein. Allez, deuxième alliance infaillible. Bon, une petite ultra là, ça serait bien quand même. Ce serait temps, parce que c'est déjà on est déjà bientôt à la moitié de l'ouverture. Et puis, toujours rien de ouf, on va dire, à se mettre sous la dent. Allez, Tritox, Smogo, Topiqueur d'Alola, Nosferapti, Rondoudou, Énergie Plante, Capuche Furtive, Pijako, Radar Électromagnétique, Hypnomade en rare reverse et juste derrière un ossature en rare. Avec encore des sbires de la Team Rocket juste là. Ok, ok. Allez. On attaque les épées boucliers maintenant. Et bizarrement, ils déchirent un peu plus facilement ceux-là. Hop là. Tac. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Puisque c'est la même manipulation pour le bloc épée bouclier que pour le bloc soleil et lune. Alors, Frisonille, Wistempo. Ça tombe bien dans une Pokébox de Wistempo goût rythmique. Coquillas, Misdibule, Ponyta de Galar, une énergie combat, Badabouin. Ok, Wistempo, Badabouin. On va voir ce qu'on va avoir en rare. Du coup, un Pokématos 3.0, énergie boréale, Tournicoton en reverse et Burritos. En rare, dommage, ça aurait été stylé d'avoir un goût rythmique du coup, mais bon, il n'en est pas. Voilà. Allez, tac, je fais un peu de la place sur les côtés pour ranger en même temps. Hop là, allez, let's go. Tac, alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, et c'est reparti. Let's go avec Roselia dans son petit jardin. Un Kélocroc, un Larvadar, ensuite Rhinocorne, Poulpaf, une énergie feu, un Simularme avec son pote Simularme là juste derrière, Blancoton, recherche d'énergie, un Belle de Neige en Holo Reverse et juste derrière un Ronflex en rare. Ok. Allez, ensuite on a. Let's go. Encore deux boosters dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Avec un Rhinocorne au coucher de soleil, c'est magnifique. Un petit chien chidou qui joue avec de l'eau. Loupio, Cradopo, Miaouz de Galar, une énergie acier, la dame du centre Pokémon, récupération d'énergie, noisier, un Poulpaf en reverse et juste derrière, waouh, Sinistra IV, magnifique. Bon, qu'on avait déjà eu dans une précédente vidéo, mais... au moins, ça fait plaisir, une petite ultra. Ok, c'est cool. Et je sais pas si vous avez vu, hein, si vous vous souvenez, mais c'était dans un booster Ronflex. Hein, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, hein, le booster Ronflex est pour moi le booster le plus chanceux en termes d'illustration. Il y a plus de chances d'avoir quelque chose quand même dans un booster Ronflex que dans d'autres illustrations de booster. Voilà. Allez. On est reparti, dernier booster de cette ouverture, Moumouton, Wistempo, Larméléon, Rhinocorne,
Roselia, une énergie psy, énergie boréale, Moumouflon, l'évolution de Moumouton, Quillfish, petit boudet qui joue avec sa petite Pokéball dans la boue, et pour finir, Aronflex en rare. Ok, bon, pas grand chose à retenir sur cette ouverture. Juste un petit Sinistra IV et un Lucanon holographique. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et prochaine vidéo, n'oubliez pas, on s'ouvre ces deux magnifiques Pokébox de Flambino Pyrobus. Voilà. Où on espère avoir quand même plus de chance. Et bien sûr, sans oublier dans le récap, on a eu quand même les deux promotionnels de Gourithmique. Bon, qui compensent quand même le manque d'ultra rare dans nos boosters. Voilà. Je vous dis bye bye. Ciao, ciao. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde !